malgré tout, j'ai eu une enfance heureuse, des parents qui m'aimaient beaucoup. Et surtout ma mère, avec qui j'avais beaucoup d'affinités, m'a beaucoup appris de choses. Elle m'a appris surtout la curiosité de la nature. Elle avait un sens de l'observation extraordinaire. Je peux vous citer un cas. Un jour, on travaillait dans une propriété au Maranoff. Elle a dû rentrer vers 11h30 pour aller faire le dîner pendant que je finissais mon travail. Elle avait fait environ 500 mètres. Je l'entends qu'elle m'appelle. Et puis elle dit « Viens voir, viens voir !» Je cours jusque vers elle. Et puis elle me montre une plante qu'elle voyait pour la première fois, et moi aussi. C'était simplement un espèce de chardon assez spécial, vous devez connaître, qui s'appelle le Silibum Marianum. Hein. C'est bien ça? Le chardon de Marie, oui. Le chardon de Marie, qui est très belle d'ailleurs. Elle m'avait aussi toujours parlé d'une plante qu'elle avait vue dans sa jeunesse, et peut-être 50 ans après, elle l'avait retrouvée, puis m'en avait montré aussi, qui était une Primula Eleasior Ferreur. Hein. J'ai commencé l'école à 5 ans, en 1931-32, une école qui avait été créée parce qu'il y avait eu les années 25, 26, 27, une très forte natalité dans le village. Il a fallu créer une école. Ma première maîtresse était Madame Julia Bess, originaire de Bagne, qui a épousé par la suite Monsieur Louis Luisier, le baron. J'ai toujours aussi apprécié son enseignement, un peu moins quand elle nous punissait en nous faisant agenouiller sur une bûche, si possible, un peu pointue. Hein. Ça, c'était pas très agréable. Mais par contre, elle m'a fait aimer l'école. Et j'ai toujours eu à toutes mes écoles beaucoup de plaisir. L'école se donnait dans le bâtiment qui est dans la région des Bourneaux, c'est bien ça, et qui bien sûr a lui appartenu à M. Daniel Raymond à l'époque, et qui était la grande salle, et qui avait une grande salle, qui avait déjà servi l'école à ma mère vers 1900. Il y a François Beauvier, mais il va plus vite, hein, il pleut. Allez, de toute façon, il y a beau pleuvoir. Mais si je vais plus vite, je vais recevoir toutes les gouttes qui vont tomber devant. Une fois aussi qu'il avait été vendre son mulet à la foire de Sion. Le mulet est un peu maigre, hein. Et puis un Saviezan vient vers lui, puis il dit, non, c'est combien cette ouvre de tonneau, cette ouvre de tonneau? Combien tu vends cette ouvre de tonneau? Mon oncle, derrière le mulet, il prend la queue, il lève, il dit, monsieur, entrez dans la boutique, les prix sont affichés. Avec là, chez Josy, il était une quinzaine. Donc c'est où chez Josy? Oui. En haut chalet. Chalet à Fimont, là. Voilà, chalet Fimont. Chalet des Cornus, maintenant. J'étais chat trop plein, hein. L'hiver, t'as pas eu à la monde. Oui. Alors, il dit, mais non, ce nuit, on va dormir. T'es dormi, puis il se réveille, il dit, hop, le train de 7 heures, il passe, madame. C'était le train de 9 heures, le dernier train qui est. Le dernier train. Se lever, trois allumettes.
Mais partir là, on au lieu de demander alors à... chez... Mais chez Bess. Mickey. Non, chez Bess. Ah, chez Bess. Pour la lumière, chez Bess. Chez Bess, à la fond. Vous avez des allumettes. Oui, oui, puis vous étiez avec une équipe de femmes, tu vois. Ils faisaient la foire, c'était vers 9h, 10h. Au lieu de demander quelle heure c'était, nous, on n'a pas demandé. On a des allumettes. Ensemble, déjeuner. On est parti skier. Depuis le chalet là, jusqu'en bas vers... où c'est qu'il y a les poubelles maintenant. En bas, à Morté, tout en bas. Ouais, ouais. En bas. Toute la nuit, on a skié. On a tous les deux. C'est un matin, puis c'est 9h. Ben, je viens dire, on a tenté d'ici du village en voiture avec Martial. Donc Martial. Oui, Martial Roduit. Martial Roduit. Louis Jusier, Charlie Thur et moi. Monté à la Danemark. Il faisait un temps magnifique, c'était un peu. De monter la campe jusqu'à salir les épaules. Oui, oui. Ah bon, jusqu'à la Danemark. La Danemark s'arrêtait, on a bu une gonnée. Puis on a laissé le sac de pique-nique au Fenestral. On est arrivé, bon, on a pique-niqué, le mambo, on a resté une heure au Fenestral. Pas pour ça, j'ai dit, ben d'accord, on veut quand même descendre. Et puis sur la descente, Martial a dit, si on arrête au petit château. Je dis, mais d'accord, on a vidé ce qu'on avait dans le sac, puis il est pas à bord. Une soif. Voilà, on faisait des skis. En bas sur le monde, puis on avait mis deux bouteilles sur la voiture martiale. On est arrivé, je vais bien tout content de boire des bouteilles. Puis deux bouteilles, au bout de moment, Louis a bien avec nous, les deux bouteilles. Là, vous demandez de lui, il a le sac d'épaule, il ouvre le sac, oh bon, ça bon, c'est comme une idée, oh bon, ça bon, ça bon, ça. Et puis, parce que j'avais une bouteille dans le sac. Et puis, nous, quand même, en haut, là, au petit château, quand même, une soif. Toi, non, tu partais d'ici à Titmus. Tu partais d'ici, hein? À Titmus. Mais attends, qu'est-ce que c'est la petite messe? La petite messe, c'est quoi? La messe du matin, dimanche. Messe masse. À quelle heure c'était? 8h. Donc il y avait une messe, la petite messe et la grande messe. Ah oui, la petite messe et la grande messe, ouais. Oui, c'est ça. La petite messe, à 8h, le sac et l'épaule, hein, jusqu'à mon fenestral. Oui. Poser le sac sur la montée. Le chalet était couvert, regarde, juste la petite poêle. Oui, j'ai vu, oui, juste. Poser les sacs là, au fenestral, hein, haut. Mais c'est déjà vu, ça. Puis redescendre jusqu'à ça, il y a pas le physique qu'on avait. Ah. Moi, je me souviens du côté de Saxon, vous avez été avec la lui. Oui. Parti à pied depuis ici. Oui. Mais oui, de la partie du sud, on a fait encore un concours. Encore un concours. Les Saxonais, c'est les Saxonais qui ont gagné la course. Ma Saxon, nous, on partait aussi en ski. Aussi, à pied aussi. À pied. Non, le concours, toute l'équipe, elle est. Tous les champions qui venaient à Saxon. À Saxon, moi j'étais l'année, il y avait Michel Caron, Simon Binet, tu sais. Oui, Simon Binet. Toute l'équipe, j'ai été regardé la course. Moi le plus vieux que j'étais. Toi? Alors, c'est quoi le truc? C'est quoi le truc? J'ai le souvenir de Walter Kistler, là. Un petit Williamou, on l'appelait. Hein. Et puis Tchitchakov. Ils allaient là travailler à Icône. Ils partaient l'anniversaire à tombeau ouvert, hein, mais une vitesse inimaginable. Et ils allaient presque en lâcher le pédalo sans donner un coup de pédale, celui qui allait plus loin. Alors tu vois quelle vitesse ils traversaient au moyen. Hein, c'était. Et ils avaient le nez en bas sur le guidon. Oui, ici, moi, il y en est. C'était des boudonnés, plus le sommet de. Ah. Le mur, là. Oui. Des boudonnés, juste un contour. Oui. Et après, c'était pas boudonné. Oui. Alors, on descendait. C'est quoi et puis là, moi j'arrivais en haut vers le cerisier, c'est que j'arrive à faire là, le garage. Ah, sous le village alors, oui. On venait sous le village. Sous le village. Il y avait ça de Gué, donc il y avait... Oui, c'est la famille, oui. Non, mais l'autre, un peu plus haut. Un peu plus haut, hein. Ouais. Juste après, c'est le garage à faire là. Là, le cerisier, vous m'appelez tout. T'avais Joseph Thur. Fait, hein? Prendre des robes, il ne fallait pas donner un coup de pédale. C'était un robe, prendre des robes comme il faut. Et une fois, alors, par contre, j'ai touché à pédale.
Et bon, ce qui parle des beaux là, on parle d'escalier là. Les escaliers en fait. Oui. Les escaliers à faire. Oui. Il est léger, là. Soit trop marché, la pédale a touché par terre. Comment, mes frères, on a décidé, Thomas et moi, de monter au col du Fenestral. D'accord, on a monté au chalet. Puis moi j'avais toujours ce problème. Comment je vais monter? Bon, ça ne peut pas que je vais monter. Après, il m'a mené à l'esprit qu'on avait une vieille couverture. Il dit à Thomas, j'ai dit, viens voir dans la gare, je vous envoie une vieille. On a trouvé la vieille couverture. Puis on venait d'arriver. Thomas, on a dit, allume le feu, fais du café, moi je m'occupe de tes skis. Sortez la vieille couverture, la couper deux bandes, tu vois, dans le genre de ski. Tout le monde l'a collé. Le même matin, il fallait pas partir. Moi, j'avais toujours l'idée que j'arriverais. De partir gentiment. Tout. Et c'est monté à la montagne de Saillon sans problème. Tu vois, avec ce... Avec les couvertures. Oui, avec les couvertures. Mais qu'est-ce qui retenait la couverture au ski? Oui, la couverture, elle retenait quand même. Oui, hein. Mais comment c'est décollé? T'as dû mettre la colle, quelque chose? Oui, tout le monde l'a mis de colle. Nous, on avait fait des courses, de patrouille. On faisait une petite une colle. Hein? Bon, pour coller les pots, puis ça tenait bien. Alors, mais bien été jusqu'à la voisine de Saillon. Après, bon, c'était le dernier trajet, c'était la montée du col. Bon, depuis Saillon jusqu'au col, c'était pas qu'à place, il n'y avait pas de problème. Bon, en tout cas, ça s'est bien passé. Mais quand on arrive en haut, c'est histoire d'enlever il faisait froid, d'enlever la couverture, puis rentrer. Heureusement, on avait pris un couteau chacun, on a rentré comme on a pu, le plus propre possible, pour qu'on puisse vraiment que les skis puissent partir. On a parti gentiment, on a descendu, on a descendu pour un an jusqu'ici au Berck, à ski. Oui. Depuis pour lui, on a traversé dans la nuit, traversé ce qu'on a pu. Oui, le long du torrent, dehors. Gilbert Campenard a déjà pris un verre de goutte à départ de la montée de la Poya. La Poya. C'est là que je l'ai rattrapé. Après, j'ai filé, puis lui, il tapait la gourde, la goutte. Et après, à l'arrivée, on devait passer tout droit ici, sur le bourg. Mais lui, il a passé en haut sur le mur. Il a sauté le mur, il a atterri à l'envers de Cerisier, devant Serge Tur. C'est-à-dire, moi, j'avais loué une paire de skis de feu. Enfin, il m'avait donné. C'était Charlie Veuté. Prêté. Des vrais skis de feu, c'est le seul que j'avais, des skis de feu. Alors ça changeait tout déjà. Et puis l'équipement, c'était les golfs, et puis les souliers, les souliers qui allaient avec les skis. Oui. Puis surtout. Ah, tu avais déjà cet équipement. J'avais, oui. Mais toi, ta spécialité, ça a été quand même le slalom, la descente. Là, tu as presque fait partie de l'équipe valaisanne de ski, si j'ai bonne mémoire, alors, à un moment donné. Alors là, la descente, et puis le slalom ici au Colbuyer, on avait donc, la descente, et après on avait le slalom, avec les pics carrés, là, ils étaient sciés par Bouchard Letton. Planter les machins, on ne pouvait pas aller sur le piqué à ce moment-là, autrement on était tout bleu. Et puis voilà, alors là, j'ai fait une démonstration. Alors justement, après j'ai encore fait le derby du Salentin. Là j'ai gagné aussi. Alors ça c'était le plus beau prix que j'ai eu. Sac de voyage, pièce de fromage, une plaque de l'or. Alors. Oui, c'était pour l'époque, c'était déjà beaux gains. Puis après, je m'entraînais pour les championnats suisses, j'étais sélectionné pour les championnats suisses parce que je faisais partie de l'équipe des jeunes espoirs. À ce moment-là, il y avait l'équipe suisse et les jeunes espoirs.
Et puis après, je me suis cassé la jambe avant les championnats suisses à Œuvrenat. On montait s'entraîner avec Jean Luisier à pied jusqu'à l'août pour essayer la descente, là, parce qu'elle était assez rude. Et puis j'arrive au fond vers le près où il y a le passage de la route pour aller à Chamoiseau. Je suis tombé, j'ai cassé la jambe en 6 endroits. Et puis on a été, au départ, on avait mis les montres ensemble avec Jean, à mémoire et tout. Et moi je pars à telle heure, puis toi tu vas en bas du nid parce que l'arrivée était à du nid. On va à travers les prés, dans les routes. Et puis Jean il ne voyait pas arriver. Alors il est remonté. Moi j'avais cassé la jambe, en 6 endroits, tibia péroneux, tout. Attendu moi-même, après il est arrivé avec la luge à cône, jusqu'à bas morteux. Et puis là, le docteur Ribordi de Ride, ouais. Il est venu me chercher. Alors il a commencé à tirer la jambe, tirer d'un côté, d'un autre, mettre en place le plâtre direct dessus. Et bon, après, ramener en sasaillon, le père l'a dit, comment on va faire pour défoncer la vigne? Son maman a défoncé la vigne. C'était le souci. Puis voilà, ce que ça s'est passé. L'année que j'ai gagné les championnats valaisans à Champéry, le président du ski club ici, c'est Gilbert Chezeau. Il m'avait donné 100 sous. On ne descendait pas en vélo au Mouille, mais on descendait en patin à roulettes, qui se fixait aussi au souliers, comme un peu les patins à glace, qu'on avait fait aussi, à l'époque aussi. On allait aussi un peu dans la plaine où c'est qu'il y avait des gouilles, on attendait qu'ils gelaient, pour aller faire du patin. Des patins qu'on cachait, parce qu'on ne voulait pas que les parents sachent qu'on allait faire du patin sur les gouilles gelées. Alors, c'était... Puis là, en patin à roulettes, on descendait, il y avait surtout avec Raymond Pittet, Jackie Dors, l'équipe qu'on était de la classe, quoi, qu'on était, on faisait un peu les petites bêtises par là. Et on descendait avec un échalas au milieu des jambes pour freiner. Et puis le ski, je me souviens qu'on faisait aussi... À travers le village, on montait, comment ça s'appelle, derrière les granges, hein. Ouais. On allait, il y avait le chemin qui monte, on partait depuis là-haut. À la tour, hein, au bout. Ouais. Ouais. Juste où c'est que ça tourne au sommet, hein, si j'ai un souvenir. On allait depuis là, puis on passait grange, ouais. Droit en bas. Passer dans la fumacière. Et alors la fumacière, on l'a connue aussi. La fumacière. Ouais. Et puis, pour... mettre encore un peu de piment, on faisait un saut au milieu. Dans la descente derrière les granges, on construisait un saut avec la neige. La neige, on montait, on partait depuis... ouais, on sait qu'on arrive à haut depuis la Poyalara, hein, un peu depuis là-haut. On partait là en luge, en traîne, et puis on descendait jusqu'en bas les Helvétiens, ouais. Il fallait faire les virages aussi, là. Alors, on se battait un petit peu pour être le conducteur, parce qu'il était le dernier, si on avait plusieurs luges, lui il prenait toute la route, là. Alors, c'était notre passe-temps, là, l'hiver, c'était super.